وصل صوتك. L'équipe a fourni un match très très physique. Donc comme toujours, on est dans bonne condition, physique, morale aussi, même si l'équipe a perdu. Vous savez, toujours la défaite qui ne fait pas bonheur. Il y a toujours des traces qu'il faut un petit peu, je dirais, déception quoi, et qu'il faut un peu l'améliorer, augmenter les morales des joueurs et surtout travailler pour préparer les matchs suivants. On a récupéré aujourd'hui tous les joueurs, hein, y compris Benamor qui était blessé. Donc tous les joueurs sont à ma disposition pour les matchs contre Algérie. Well, I would like to tell you that the preparation after every match we do a preparation and we did that preparation, and after the match in Senegal we think that we were able to work to the upgrade, and today I can tell you that the team has a very good physical and moral condition, and we, even though we lost the first match, but I can tell you that we recuperated and we are feeling all right. And the next question is to Naim. Naim, this is very much important for the coming match. So, what kind of tactics you are coming up with, Fabio? La prochaine question s'adresse au capitaine. Vous savez que le match qui va venir pour vous est un match très très important. Alors, quel est le dispositif tactique que vous êtes en train de mettre en place? Dispositif tactique, c'est au coach de la France, pas moi. Et bien sûr, on sait que c'est un match très important. Algérie, on sait que c'est une grosse équipe. Nous aussi, on est une bonne équipe. Maintenant, on a à cœur de se rattraper par rapport à ce premier match, parce qu'on a fait un bon match, mais malheureusement, on n'a pas eu 3 points. Et donc là, on sait que c'est un match décisif, tout simplement. Si on gagne, on sera bien placé. Si on perd, on dit au revoir à la Coupe d'Afrique. Ah, ouais. Well,